Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un lieu des plus exceptionnels situé en Basse-Normandie. Et je dois avouer qu'il a réellement un nom des plus enchanteurs, puisqu'il s'agit du domaine du lieu chéri. Comme évoqué précédemment, le domaine du lieu chéri se situe au cœur même de la Basse-Normandie. Il possède une large gamme de produits, reflétant à merveille la beauté et la complexité du terroir normand et le savoir-faire de toutes les générations de la famille qui se sont succédées au sein même du domaine. En 1935, le domaine produisait et commercialisait leur cidre en vrac dans les cafés de la région. Depuis, c'est quatre générations de la même famille qui se sont succédées au sein du domaine. Ce qui est intéressant, c'est que chaque nouvelle génération apporte un souffle nouveau au domaine, tout en respectant les traditions familiales. J'ai eu la chance de pouvoir visiter le domaine du lieu chéri. Et pour la petite histoire, j'ai même eu la chance de pouvoir découvrir le domaine sous un véritable temps normand. Mais croyez-moi, cela n'a entaché en rien la bonne humeur de la personne qui m'accompagnait durant la visite. Après avoir longuement échangé sur l'alambic qui est nécessaire dans la distillation du Calvados, la personne qui m'a accompagnée m'a expliqué que le domaine du lieu chéri est le premier producteur cidricole à avoir obtenu en 2018 la certification HVE. Comme vous le savez, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir visiter le domaine du lieu chéri. Et si je devais résumer cette visite en quelques mots, cela serait partage, rire, découverte, une véritable passion et un profond respect pour les traditions familiales. Si vous avez un peu de temps et que vous êtes de passage en Normandie, je vous conseille réellement de prendre le temps de vous arrêter et de partir à la découverte du domaine du lieu chéri. Je peux vous assurer que la distillation du Calvados n'aura plus aucun secret pour vous après cela.